Alors bonsoir, bienvenue. Merci d'être venu à notre rencontre. Nous sommes très heureux d'être ici à Brive et d'être ici en France. Et pour la plupart de nos jeunes, c'est la première grande tournée. Il y en a qui en ont fait quelques-unes. Moi, c'est ma 8e avec l'orchestre. Alors j'étais ici en 1989 à Brive, tout jeune musicien dans l'orchestre, et on est revenu après en 1997 et en 2006, donc l'Orchestre des jeunes en est à sa 4e visite à Brive, et c'est toujours un bonheur de se retrouver dans votre très jolie ville. Et on a eu l'occasion d'ailleurs de participer, donc les 3 fois où nous sommes venus, de participer effectivement aux orchestrales. Nous avons joué à la patinoire en 1989, nous avons joué au Hall Georges Brassens en 1997 et en 2006 à l'Espace des Trois Provinces. Donc on a fait tous les lieux ici et c'est toujours un bonheur. C'est un bonheur de faire les orchestrales de l'époque. Alors donc je remercie comme mon ami Hervé, que j'ai connu d'ailleurs en 1989 aux orchestrales. Alors je remercie le Conseil de Ville effectivement de nous avoir organisé ce petit concert et les gens de l'Association France-Québec. Vous savez, le jumelage entre Brive et Joliette existe depuis 1985 et n'a pas cessé de fonctionner par des échanges culturels comme nous faisons. Des fois, des échanges, c'est que des gens de chez vous qui viennent au Québec pour travailler à la ville de Joliette et l'inverse aussi, un projet qui se fait année après année. Donc, c'est un beau lien d'amitié que nous avons avec les gens de Brive. Donc, un petit concert d'une heure environ, où vous allez avoir un éventail de musique de tous les genres, de tous les styles. Nous avons commencé avec une pièce de Jean-Sébastien Bach. Un peu à l'image, si vous vous souvenez, d'un film de Walt Disney, Fantasia, sorti en 1940, et où il y avait M. Leopold Stokowski, qui était à ce moment-là à la tête de l'orchestre de Philadelphie, et qui avait fait une orchestration assez bien réussie, de la Toccate et Fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Alors ici, on a un arrangeur qui s'appelle Merle Isaac, qui a fait un arrangement de la fugue en sol mineur, la fugue BWV 578. Alors, je trouvais que ça commençait le concert de façon solennelle. Nous poursuivons maintenant avec un mouvement d'une symphonie de Beethoven. Fait assez étrange, sur les 9 symphonies que Beethoven a composées, les numéros impairs sont des symphonies assez importantes. La première, qui a marqué quand même une barrière, si on veut, entre la fin de l'époque classique et le début de l'époque romantique. La première, la troisième, la cinquième qu'on connaît tous, le ta-ta-ta-ta, la septième, la neuvième qui est l'hymne à la joie. Alors, on vous offre le deuxième mouvement de la septième symphonie qui est très flamboyante, très majestueuse, mais le deuxième mouvement qui est d'un recueillement absolument extraordinaire. Alors voici ce deuxième mouvement de la septième symphonie de Beethoven.